Bonjour YouTube. YouTube, c'est l'heure du duel. C'est l'heure du duel. Oh là 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 là, l'heure du duel, euh, épisode 5. Alors moi je suis quoi moi Démoniste, shaman hunter comme si vous y étiez, l'heure du duel. Et donc le thème de la semaine, le thème de la semaine, c'est les 4 aventure ok. Les quatre aventures, donc Naxramas, le Mont Roche Noir, la Ligue des Explorateurs et Carazan, avec le set de base et le set de classique. On va commencer par mon petit chasseur. Voilà. Donc j'espère que j'ai pas mis des cartes que j'aurais pas dû mettre. J'ai pas, pas revérifié, j'avoue. Mais je me suis jamais trompé sur les premiers épisodes. Mais il y a quoi Je suis générique arrêté Mad n'est pas le générique. Du coup, je vais le time out. Voilà. En plus, il a une image de de de, de femme dénudée de manga. Très mauvais goût. Voilà. Euh, donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors, moi j'ai un petit deck chasseur assez sympathique. Voilà, voilà on, est, on est plutôt parti voilà, sur un, un deck chasseur secret. Je me suis dit, Alors pourquoi un deck chasseur secret euh, Parce qu'on avait accès au savant fou. On avait accès évidemment, grâce à Karazan, à la chasseresse euh, capuchonnée. Donc, ça faisait quand même euh, pas mal de petites cartes qui se mettaient. On avait accès à la grand-mère. Voilà, pas mal de petites cartes qui se mettaient bien face à mon ami Vincent. Et euh, on va voir ce que ça donne. Ok, bon, il joue euh, agressif d'entrée, hein. c'est pas, pas cool pour nous ça. On a le tir réflexe, est-ce que je fais tir réflexe hmm. Non, on a pas besoin, on va juste. Ah, quoique. C'est relou, hein. J'aime bien tir réflexe. Ça clean directement sa créature. Et si je mets le savant fou qui fait un spell, bah, il va pouvoir juste. Euh, juste euh, très à mais je vois pas gérer sa, sa saloperie de carte, donc bon. Euh, je rappelle que c'est du BO5, évidemment, mais je crois qu'on l'a tout lié. Et on va faire euh, Arc maintenant hein. J'pense pas je joue de Limon On va juste équiper l'Arc et surtout on va mettre le score Et oui, oui oui très important ça Le score évidemment Pour savoir où on en est dans le match 0 à 0 Vous venez d'arriver sur l'Arma TV HS yeah. Texte 0 Alors faut pas que je mette de musique ce coup-ci hein, Sinon ça nique la vidéo <laughs> Faut que je pense à pas mettre de musique 0 à 0 On est bon C'était vraiment trop cool en fait ce, de partir sur ce deck là parce qu'en fait on avait accès, alors déjà on avait accès à pas mal de cartes que j'aime bien, je remportant des et tout Mais en fait en partant sur chasseur secret, on avait accès à surprise du chef, on avait accès à savant fou, on avait accès à chasseresse en capuchonné Et ça faisait vraiment des très 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 très, très bonnes cartes, Avec le titre du stream c'est vrai, oh là, là. Trop de trucs à faire euh... C'est dommage que ce soit pas le piège givrant mais bon on va quand même juste taper et on va aller full face hein, maintenant. Hein. Il faut être agressif avec, euh, avec le Varsan. Il y a toujours un mage dragon. Parce qu'en même temps, on a accès à Blackrock Mountain. Donc c'est vrai que les decks dragons sont quand même pas mauvais. Moi j'en ai pas fait de deck dragon. L'heure du duel. Avec Talk et Vince. Pim Message les infos. Oui, le professeur putricide. Bah ben, on n'avait pas le droit au professeur putricide. C'est pas la bonne extension. Eh oui, c'est pas du tout la bonne extension. Oh, ça c'est fort Crash C'est vrai que Crash c'est fort contre tout ce qui est un petit peu. Alors j'ai au rep dans mon deck qui est cool hein, pour ce genre de situation normalement. Euh, bon on va y power On va partir là dessus et on va partir sur le, 4, sur le 4 tricks du coup On va avoir pas mal de secrets intéressants C'est full wild euh... non Karazan c'est pas du wild C'est pas full wild du coup On a 3 aventures qui sont déjà en wild mais sinon il y a c'est pas du full wild du coup Ok il tape là-dedans je récupère Le snake trap On a Snake 4 et explore là sur le board Acolyte. J'avoue que c'est relou ça. Euh, J'avoue que l'acolyte est bien relou. Effectivement. Crash vase. Le, 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 le fait est qu'on risque d'avoir du mal. Hein. À un moment donné, il va forcément devoir activer l'arc, j'imagine. Je sais pas trop s'il joue du heal. Mm -hmm. qu qu il. Qu'est-ce qu'il peut jouer comme mage il, il rejoue pas le mage-major de mots il a, il, a il a plus assez de cartes pour le jouer maintenant. Ça fait très peu de cartes, un hein, jeu que les aventures au final quand on y pense. Ok, ça active les serpents. Ça redonne un stack à. À mon arc ça c'est cool pourtant je peux jouer avec Karazan en wild ouais, on s'est compris quand on a dit que c'était pas full wild on s'est compris il va taper là-dedans ok faut pas qu'il ait un flamestrike pièce si, yes, pour activer le 4 trick ça pue là ça ça pue l'activation du 4 trick ça, ça sent la ça oh là, le ping blizzard ah oh, il est terrible ok bon j'avoue que le mage il est compliqué pour nous là Putain, mais je tryhard là! C'est quoi son deck mage là? Et repérez bien si je joue pas une carte qui est une aventure, parce qu'il a triché à chaque fois quand même! Donc faut on n'a pas confiance du tout dans cette personne, je vous le dis. C'est un individu patibulaire! On va taper. Faudrait qu'on... Oreb est très fort. Barnes c'était cool en soi. Parce qu'il pouvait ramener savant fou, grand-mère, rampante. Après il était cool T4 surtout, crinière également. Euh, ouais. Non, effectivement. Il tape pas du coup. Mais pourquoi il a pas tapé avant dans ce cas là Il a fait un misplay de ouf là non Il pouvait taper avant Eh oui, oui, et puis la merde, ça. Il aurait pu taper avant et du coup. Oh tellement, oh, il mérite tellement de perdre. Ah, mais je peux pas jouer mon piège. Si je joue mon piège vivant, ça renvoie son Harrison. On va full face. Hein Est-ce qu'il y a pas moyen de le baiser là On va quand même jouer à la chasseresse. J'imagine qu'il joue bloc. Bah oui, bloc, c'est de base. Il doit jouer bloc. Est-ce qu'il y a des secrets qu'il peut jouer d'une aventure ou pas euh, Bonne question. Pourquoi ne pas jouer à chasseresse Parce qu'il aurait. Peut-être pas été face sinon, tout simplement. Être... Ah, mais je joue c'est vrai qu'il y a Renault je l'avais oublié. Mon dieu, mais en plus, il est sur l'overlay. Putain, il est sur l'overlay. Bon, 1-0 pour vite 1-0. Ok, je vais prendre mon démoniste. Mon, mon démoniste, il est OP. Mon, mon, mon démoniste, il est beaucoup plus fort. Je vais prendre mon démoniste. Mon démoniste, c'est un démoniste zoo vous allez voir. Parce qu'en fait, Zou, il y a trop de cartes trop fortes en Zou en fait. En Zou Ok, paladin, pour Vincent. Euh... Et quoi, il y a Venger en paladin. Euh... il oh, y a Cavalier en Ivoire de Karazan. Ouais, il y a quelques cartes à la con. J'ai un Implorateur du vide, mais on se passe... Ça peut revenir à Gartuunesse, je va dire, regardez la fenêtre bien. Bon, il n'y a plus les puissances accablantes, mais il y a l'Argus, il y a les lois alpha le il y a Barnes surtout dans le deck, qui est pas mal. Et il y a aussi les Terreurs de vide. Donc voilà, un deck très sympa. Il nous manque tellement ce monsieur Reno. Le Zou Quoi c'est vous pas le démo Zoo vous n'avez pas les zou? Et zou! Marcheur de vide. Ok. Euh... Mais encore. La rampe en T. Ouais. On a, on a de quoi discard dans la main. Mais c'est un peu tout pour l'instant. Euh... Old school. Bah c'est un petit peu un dexo à l'ancienne là. Regardez. Vous voyez qu'il y a les zones nérubiens. Il euh, y a l'Argus, il y a l'implorateur. On a le droit à Karazan, donc on en profite hein, évidemment. Donc on tape là-dedans et on fait. Ah, j'ai de le faire sur les deux. Je vais le faire que sur l'œuf en fait. Comme ça, je garde cette petite 1-2. Voilà, qui vient un petit peu. C'était fort ça. C'était tellement fort cette carte. J'ai une 4-4, une 3-5 du coup qui pop sur le board. Mon euh... shaman est marrant aussi. Parce que mon Alex et shaman il est cool aussi. Gardien nul daman Ok. C'est pas très relou ça, ça va. Oh, j'ai Barnes. Barnes, peut ramener des cartes tellement fortes en vrai. Vas-y, on le joue dans la curve. Hein. Faudrait que ça ramène. Ah, euh, il n'y a plus d'œufs par contre, ouais, c'est quand même moins bien. Implorateur. Oh, bah, j'ai pas de démons dans la main. Si j'avais des démons, ça aurait été très fort. Hein. Le, le problème, enfin, le, le la force de Barnes, c'est qu'il peut ramener notamment les deux zones les rampants dentés. Alors, c'est très fort, Implorateur, mais c'est quand même beaucoup mieux euh, lorsque nous avons euh, encore des zones dans le deck, hein, évidemment. Mais bon. Bonjour à ceux qui nous rejoignent évidemment sur l'Arma TVHS. Je vous salue. Et à ceux qui nous suivent évidemment en différé sur YouTube aussi. Sur le YouTube Arma Team. Du coup, il n'y a pas tué la 1-1, j'imagine. Faudrait juste top deck un démon en fait. Allez, file un démon. Regarde oh, funeste. Diablotin. Ça fait chier. C'est un démon, mais c'est pas top quoi. Après, j'avais de jouer Crash Vase là, mais. Il y a tellement de bons top deck là. Oh là là. Alors, faut jouer le Crash Vase là. Mais du coup je tape et ça invoque le diablotin. Là, il faut protéger le crash vase, hein, c'est important. On va protéger le crash vase. C'est pas, pas le meilleur out, mais bon. On, on a un bon board, on va pouvoir piocher à tout moment potentiellement, il pourra probablement pas tuer mon diablotin sorcier. Euh... La, la question c'est qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Il joue comme deck au final, parce que j'ai pas trop compris. Ok. Allez nest. Allez Allez le DoomGuard Le DoomGuard y a, y a les feux de l'âme aussi dans le deck hein, évidemment Allez Le DoomGuard Allez mon tank Vas-y Les 3-3 trois -trois sont pas des démons Ah pas du tout non non, non. C'est de la vaisselle, pourquoi ce serait des démons Qu'est-ce que vous racontez Ça n'a rien à voir ça On voit pas la petite poche Ah c'est elle, c'est une petite poche là C'est le même modèle que l'autre fois, mais en gris, je l'aime bien ce t-shirt, il est joli Euh oui Oui Et je pas à la à l'époque mais comment il peut jouer pas la secret alors qu'on a pas accès au... à l'adversaire mystérieux Est-ce que tu, tu m'expliques Alors, euh... Allez, garde funeste Vas-y, pourquoi il rope comme ça, là Pourquoi il m'a rope Il est déco, quoi Ok, bon, il nous a rope

Un partout Quel pantalon talk Alors aujourd'hui je suis parti sur un petit pantalon belge Belge, belge pardon Voilà C'est mon petit pantalon belge aujourd'hui si vous voulez tout savoir regardez-moi voilà. Je beaucoup mon petit pantalon belge voilà il va, il va très bien avec ce petit gris voilà c'est très sympa hein, voilà donc euh, Faire des petits trucs comme ça là maintenant Voilà C'est le pantalon du jour évidemment. Euh, c'est la séquence pantalon Excusez-moi Qu'est-ce qu'il fait là Mais il est vraiment déco en fait Pas de rematch hein. je prends la win hein, au cas où est déco euh... Qu'est-ce qu'il fait Téléco, oui Bah 1-1 Il y a full déco Un partout du coup hein il y a un... <laughs> Non j'ai gagné Après moi il est déco, très bien Mais heureusement, comme Bah du coup on le tue hein Et je peux même mettre pause pendant le, le record pour Youtube Parce que c'est bien fait évidemment Une technologie, je pense qu'il a fait semblant A hein. mon avis, hein. non 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 A mon, mon avis c'est pas possible J'avais gagné à 100% Il était terminé là Laisse le rematch. Je peux commencer à rematch. Hors de question. C'est un partout. On a le chat de record, On doit pas y avoir de rematch. Il a fait fake déco 100%. Et bah se fait un partout dans le match. Alors, Vince, c'est pas chez sa connexion internet. Un partout. Et je peux même mettre une pause sur le record de YouTube et reprendre YouTube quand ça remarche. Un hein, YouTube, hein? Ouais, ouais. Et nous sommes partis donc pour la suite du match. Le démoniste a été validé. On va sortir le chaman. Alors le chaman. Le chaman. J'en suis très fier. C'est une composition personnelle. Ce petit chaman. Voilà. Euh, mais non je peux YouTube, vous inquiétez pas. J'ai euh, J'ai remis euh, nos amis de YouTube. Voilà, c'était une composition personnelle et privée. Voilà, on est parti sur un petit chaman, voilà. Euh, Reincarnate. Board centric, enfin voilà, ça va être un truc très sympa. On a de, de l'Ofnerubiens. J'ai envie de garder la réincarnate et de top deck un néo-rubien Ouais, non, peut-être pas du coup. On a les tout Langues de feu. On a une petite furie sanguinaire. Voilà, l'histoire d'essayer de faire des choses un peu sympathiques. Enfin voilà, on n'est on est pas sur du troc golem. Hein. On est sur de l'originalité. En même temps, le, le troc, Alors, on peut jouer le troc parce que le troc c'est League of Explorateurs. Mais le golem, si je ne m'abuse, c'est euh, pas une aventure. Alors, on a rien joué t j'ai mis un, un petit euh, voilà pour combattre avec le petit portail du maelstrom et pour le faire un petit peu de draw aussi. Donc, euh, donc ça va être très sympathique, hein, vous allez voir. Alors il est au Snid. On peut pas jouer Snid, je rappelle que les règles c'est les 4 aventures. Donc les, enfin, les aventures d'Hearthstone, parce qu'on n'y a que 4, donc c'est facile. C'est les 4 aventures plus le format classique et le format, de, enfin, le format de base et le format classique. Voilà, tout simplement. Donc on a le droit à toutes les petites cartes, genre Cairn et compagnie. Mais par exemple, on a pas le droit à, au Roi Lish, quoi. Typiquement, je rappelle que dans cette série, c'est le cinquième épisode et pour l'instant, Vince mène 3 à 1 dans l'heure du duel. Mais là, enfin euh, voilà, c'est juste que les premières éditions, bah, moi je pensais qu'on faisait ça pour s'amuser et il m'a très clairement montré que lui il venait pas pour s'amuser. Donc voilà, Donc j'ai dit, bah on arrête de s'amuser. Si t'es pas là pour rigoler, je vais te dicter ta race. Et il m'a dit, ah, ok, tu prends ça comme ça. Donc la dernière fois, je l'ai démonté et là maintenant, une mauvaise humeur. Du coup, il, bon, il tryhard. C'est pour ça qu'il y a un paladin avec des cartes chelou là. Tout simplement, enfin, voilà, vive ma vie. Euh... S'il fait pièce championne c'est vraiment bâtard porter de lune d'argent Vous savez que dans le deck j'ai mis un orion de terre Pour ce genre de situation Mais je vais jamais le piocher évidemment Espoir ancestral Super euh... On va Finlay Moi j'aimerais bien avoir le life tap, Même si j'avoue que quand t'as pas le board c'est chaud mais... Trop, oh, c'est terrible euh... On va prendre le pouvoir du druide je pense Le pouvoir du druide est pas mal, c'est pour le temps que je pas joué Finlay, elle était bien cette carte hein. On va prendre le pouvoir du druide euh... Moi j'aimerais bien avoir le life tap mais bon c'est pas grave, on est, on est bien comme ça aussi. Alors. Euh, on a... Barnes peut être relou de ouf. Je sais pas trop ce qu'il joue comme paladin. garder Gardez nul Daman Ça c'est pas relou au moins ça c'est bien. Euh, on récupère l'autre portail du Maelstrom. Qui est pas mal si j'arrive à gérer euh, ces saloperies là. Et je peux faire preuve une 4-4 maintenant. Ce qui pourrait être quand même de bonne aloi, vu qu'on est pas dans une bonne situation au niveau du board. Est-ce que je. Alors, je rappelle, ça détruit un serviteur et ça le ramène à la vie. Ça fait pop une 4-4, ouais, c'est bien. C'est pas mal, je pense vous le faire. En fait, si je le fais sur, sur le cairn, ça me fait pas une 4-5, en fait. Concrètement. Voilà. On va dire que ça me faut une 4-5 au lieu d'une 4-4. Sauf que ça arrive vraiment dans longtemps. Alors que si je le fais maintenant, c'est quand même pas mal. A mon avis. Euh. Ça se met bien. Mm -hmm. Ok, crash vase. Est-ce qu'il va trade Ok, il fait les trades. On, on, a, on a le cairn. En fait là si, si tu tue pas le cairn, on a un tour incroyable au prochain tour. Je peux faire Esprit ancestral sur Cairn, manipulateur. Alors ce qui me permet pas vraiment de clean le board, là c'est vrai que je prends un petit peu cher. Et il n'y a pas de heal dans mon deck. Il y a pas de heal dans mon deck. Après je sais pas trop ce qu'il a comme moteur d'agression. Upner bien. Ouais forcément enfin, bon, on a tous les deux beaucoup de cartes de l'Axtramass. Hein. Le token. Ok. Je pense qu'on prend le risque. Ah c'est long hein. C'est lent, je veux dire. C'est long, c'est long, c'est pareil. Furie sanguinaire. Ouais, pas de choix il faut hein. on, on, on prend tous les risques. On fait tac, on le copie. Donc là on a une vraie prise du board. On va taper une fois là-dedans. Et pour le prochain tour on risque de f... on, on va certainement avoir besoin de faire des miracles au prochain tour hein. Je retombe dès qu'un maléfice ou quoi. Mais non il streamback pas. J con... Moi j'ai confiance. J'ai confiance dans cet individu. En plus il vient faire la soirée foot chez moi ce soir. Parce que oui, ce soir, ce soir il y a la soirée foot chez moi. Hein. On va commander des frites, des bières, et on va regarder l'équipe de France perdre. Ok. On n'est pas très au PV hein. Garde-paix. Ah je dit que mon tour était un peu grillé hein, le tour d'avant. Flemme numéro 2. Bon. Euh... Merci beaucoup oajin oh, 55 pour ton abonnement. Merci à toi. Merci mec. Je vais devoir faire Hero Power là-dedans. Ah ouais ouais c'est sûr. Quoique. Ça me fait gagner trop de temps en fait de faire ça. Ah c'est trop bien. On fait hero power là-dedans. C'est un peu risqué mais il faut prendre tous les risques là, comme on dit. On fait flemetong, flemme On prend tous les risques. Hein. Tous les risques. Ok. Je peux taper là-dedans. Ensuite je tape là-dedans. Je tape là-dedans. Et je fais portail du coup, ok Et là on a l'étal au prochain tour sur Fury. Attends, je le dis que là Attends, on est trop chaud là On est trop chaud Allez 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 Vincent Allez Ça compte Vincent Ça compte side Vincent Allez Vincent il faut partir. Viens voir pour la masse Allez, j'ai terminé. J'ai fini ça Il faut partir. Vous avez vu, on a fait les crêpes hier avec Vince sur la chaîne YouTube. ma team. Hein. Tant que Kevin font des crêpes. Si vous avez raté la vidéo, elle a été primée. Hein. Là, non, mais là, s'il me dit qu'il était déco vraiment. Non, non mais, non, mais, non, mais, non, mais il peut me dire qu'il est déco encore. Non, mais arrêtez. Non, mais s'il me redit qu'il est déco maintenant, il se fout de notre gueule. Non, c'est bon, il est là. Je meurs sur double rois, hein, mais bon. Je chier, quoi. Il t'a fait le coup de l'écho russe Égalité. C'est pas cool ça quand même. Hein. Ah, ça c'est mieux ça. Jongleur de couteau. Ok. <laughs> Attends. Ouais, bon, bon choix cette cible. Très bonne cible. Ok. Et le va sans, Et le passant il va concier, la, 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 la. Attends, c'est relou ça va être là-dedans, non Je sais combien là Oh, c'est tel. Ta... Et le et le i... Il... Combien j'ai de dégâts là 7 Attends y'a pas l'étal Attends je crois qu'il y a pas l'étal. Attends attends, je... attends, 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 y'a pas l'étal je crois. 7, 14, 21, 22, 25, 29. Ah merde. Ah merde, je suis one off. <laughs> J'avais tellement de chat. <laughs> ok y'a pas l'étal. Euh... No bueno ça. Ok. On va prendre des trades du coup. Tape là-dedans. Prenons aucun risque, ok? Ok. Non, mais jamais il me tue de toute façon. Y'a rien qui me tue. Non, mais non, mais y'a rien. Vas-y, je, je vais en tuer un par principe euh, écologique. J'en je tue un pour. Euh, voilà. Parce que la, 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 avoir la 4-1 sur le board ça m'énervait. Non, mais là jamais il me tue. Merci beaucoup, Brock, tout Y'a rien qui me tue dans toutes les extensions là. <laughs> c'est moi si le chasseur Shaitan l'a passé après. Ok, portée de lune d'argent. Ok, Pyrrhos c'est fort mais on s'en fout. Oh, heureusement que j'ai tué l'autre putain. <laughs> la sergent grossier. Putain, heureusement que j'ai tué la oh, oh putain, j'ai failli pas la tuer <laughs> Every day or every night. Be her right. Demain. Oh là là. là. Est-ce que je vais m'imposer dans ce nouveau numéro de l'heure du duel, le numéro 5 Chasseur. Ouh. Alors mon deck chasseur, on l'a vu en premier. Après, je pense qu'on joue paladin le chasseur, est trop bien en vrai. Il était bien ce deck chaman, hein. Je savais qu'il qu aurait un, un effet de buff, comme on dit. Un effet de qualité. De qualité. Mm -hmm. Tu la mérites pas, escroc? Comment ça, je la mérite pas? Je joue avec Paladin aggro et je joue avec chemin de réincarnation. Évidemment que je la mérite. J'ai joué le beau jeu cette semaine. Enfin, pas le zoo, mais il a aussi un zoo, tu vois, c'était sûr. Ok. Oh, file des secrets, vas-y. Je garde la remporte parce que c'est fort. File des secrets. J'aurais pu mettre la gardienne des secrets en fait, j'ai zappé Mais la gardienne des secrets, en fait, elle rentre en fait. Je croyais que c'était une extension, mais pas du tout en fait. J'ai fumé. Combien j'ai de secrets? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secrets dans mon deck. J'ai 7 secrets. Je vais bien piocher. Ok. 100% c'est Reno. Impossible de jouer Reno quand t'as les meilleures extensions. Là, il y a la meilleure extension pour jouer Zo. C'est C'était la meilleure extension pour Zo. Pièce. Oh, ça trahir là. Chef du gang... Oui, non seulement t'as aussi le chef du gang diablotin en plus. C'est vraiment abusément fort, quoi. Ok, on part sur Chasseresse, res. Psydexplo. Espérons qu'il ne puisse pas la gérer. Il y a le feu de l'âme qui peut le gérer potentiellement. Euh... On va voir. Il joue le Zoreno. Ah, le fameux Zoreno que j'avais euh, construit à l'époque. Hein. Il est bien ce thème. Ok, il va taper face. Bon, le... faut savoir que le petit Explos met extrêmement mal, mais, mais bon. Il se mettait très mal, mais à partir du moment où ma chasse en capuchonné reste en vie, je suis assez heureux dans ma, dans ma vie d'aloca. Il n'y a pas de lâcher les chiens dans le deck, hein. C'est un matchup compliqué, je pense que c'est un matchup où il faut aller face en grande partie. C'est vrai que mon piège explos a été un petit peu massacré là. C'était pas cool ça. Ah, il y a un feu de lame Oh, c'est la merde du coup. Parce que du moment où il y a un feu de lame et qu'on vient de perdre un piège explos, c'est la merde. C'est la merde de ouf. Euh. Ok, c'est la full merde. Après, il y a moyen de, récup de récupérer le deuxième, mais bon. Bon, je vais aller face, ça sert à rien de trade de hein, toute façon. On a deux ordres de tuer. Putain. J'ai envie de garder mon piège explos. Je sais pas. J'ai peut-être joué un peu de mon piège explos, j'avoue. Parce que là, c'était trop fort. C'était trop fort. Après, il aurait pas, pas all-in sur, sur le board. Ramène le piège explos, vas-y, s'il te plaît. Ah non, c'est le. Oh, c'est le ça va. Ah, mais j'ai qu'un piège explos en fait. Putain, je suis con. J'en ai mis qu'un de piège Ah, oui, bon, c'est vrai que je me suis dit qu'il allait pas jouer trop pas Après, de toute façon, contre le paladin, j'aurais être trop bien. Là, le zoo il devrait me péter. Mais au pire, contre le paladin, on va être trop bien. Parce que là, il peut tuer tous les trucs. Les... Tous les... Tous les... Il n'y a pas de lâcher les chiens, faudrait un crash vase là, le crash vaut, il est fort le crash vaut là Oh le crash vaut, le crash va ah, Attendez, attendez, est-ce que je joue le crash va Ouais je le joue hein Crash vase into crinière, into on essaie de bullshitter avec des ordres de tuer, allez Ah bah il n'est pas possible malheureusement, c'est ICC putricile, ce n'est pas une aventure Ça rentrait pas dans les guidelines comme on dit C'est grossier qui se met euh, pas mal du tout hein il fait encore des life c'est normal, hein, mais c'est juste que nous, on a très vite le lethal sur les ordres de tuer. En fait, là, le truc c'est qu'on va pouvoir jouer la crinière. Il ne va pas pouvoir tout gérer, j'imagine. Faut pas qu'il ait des tontes. Oh, le colporteur, oh, il peut ramener puissance accablante. Ça peut, parce qu'on a le droit de pique en fait. En gros, on est en wild, mais on joue pas avec toutes les cartes de wild. Mais comme on est en mode wild, Bah les cartes comme ça, comme colporteur ou les cartes découvertes en général, peuvent nous ramener des cartes qui ne sont pas dans le format qu'on joue, et on a quand même le droit de les utiliser. Voilà. Par exemple, si ça lui ramène puissance accablante, il a le droit de la prendre. Oh, Enculé, il la frise. Putain, ça rase pas. <laughs> Putain, l'enfoiré quoi. Du coup, il peut traîner mes de deux Et un Argus, ah, ça pue. Hein. J'ai qu'un petit explos. On a pas pioché l'arc. Pourquoi j'ai mis les dromadaires dans mon deck Ah oui, je les ai pas enlevés. Je voulais les enlever, mais je les ai laissés. Alors que j'ai aucune carte qui combotte avec les dromadaires. Je suis complètement con. Euh. On va faire genre. Je pense pas la grand-mère, c'est ma seule chance. Si j'ai encore 3 tours, mais je en jamais 3 tours de toute façon. Donc bon. Best video ever, les crêpes. Elle est incroyable. Il remonte le sergent du coup. J'aurais pu remonter l'Argus, hein, cela dit. Ouais, on est mort. Pourquoi il pouvait pas le. Pourquoi il a pas. Oh, ok, oui, il faut les piocher plutôt. Euh. Il n'y a pas la out. Hein. Ah, j'aurais dû mettre deux pieds à l'explos. Fait chier. J'ai pas pensé, si j'avais pas eu la que c'était l'étal Ouais non parce qu'en tous les cas j'avais pas... Deux partout On a fait que des 3-2 je crois dans l'ordre du duel On a fait que des 3-2 Est-ce que c'est son paladin ou est-ce que c'est mon chasseur qui va bloquer En fait son paladin a perdu deux games Et mon chasseur a aussi perdu deux games pour l'instant Donc pour le moment on va dire que là c'est le duel des decks faibles Qui sont en train de s'affronter uh -huh. avec... Alors dans mon deck j'ai mis des dromadaires mais j'ai pas de tour hein, en fait. <laughs> Parce qu'en fait j'ai oublié de mettre les gardiennes du secret. <laughs> je voulais les mettre, et après je les ai pas retrouvées, je dis mais bah, attends c'est pas du wild, en fait si c'est... Enfin, Bref, je suis un... 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 un FDP. Voilà. Mais bon, tout va bien. Ce qui compte c'est de, sa... de le savoir et de le reconnaître. C'est ça qui compte. Ok, c'est bien comme ça. Donc c'est vrai que j'ai les dromadaires, mais du coup ils ne me ramènent rien dans mon deck. Ce qui est absolument terrible. Du coup. Croque zombie. Ok. Fin de tour. Euh. Putain, ça va être chaud. Token. Le burn peut être fort. Au hein. rêve. On va jouer la rampante. Je peux pas vraiment jouer ça, j'ai qu'un secret pour l'instant. Tant qu'un génie a compris. <laughs> non, mais mon chasseur il est vraiment trop nul. Ah chaque fois qu'on joue je fais toujours avec trop nul et. Quoi, golem des boissons Hein Ok. Admettons. Bon, ça veut dire qu'on peut jouer ça. Oh, ça fait chier de pas avoir plus de secrets quoi de ziggurat pas du tout Croc zombie c'est fort contre mon deck hein. <laughs> après j'ai une bonne main en vrai faudrait que le barnes ramène un savant fou une grand-mère une rampante une crinière il en reste une dans le deck de toute façon il peut ramener quoi qui est nul il peut ramener en fait la seule carte qui est nulle c'est les dromadaires c'est les... les deux seules cartes dans mon deck qui n'ont aucun intérêt à être ramenées avec le barnes évidemment je vais les ramener hein. c'est la merde Putain, ça, ça m'en fout Oh, ça m'en fout. Bon, c'est la merde. hein C'est un peu la merde. Euh... Il est où le Majmecha On peut pas jouer Majmecha. C'est pas dans une aventure, c'est dans Gnome VS Gobelin. Kodo. Oh, si ça tue le savant fou et que ça ramène le deuxième piège ivrant. Il a fait tellement de la merde. Oh, c'est le Snake Trap. Il y a de la chatte. Je vais faire genre, attends. Peut-être qu'il va pas attaquer. Peut-être qu'il streamhack aussi. Oh, il a tellement mal joué. Et il va face du coup. Oh, le streamhacker. Streamhack 100%. Putain, le dromadaire. J'ai oublié de le virer. <laughs> clochard, clochard, clochard. Si je fais Oreb... Je vais pièce la crine. Non, je vais Oreb. Je vais et je vais trade ça. Il peut juste le tuer mais ça ne fera pas plus les serpent donc bon. Putain. C'est la merde là. J Appelle Oreb à une carte de l'ancien monde. Vas-y, mais il fait pas les trades, really là Non, mais c'est pas possible qu'il fasse pas les trades en vrai Non, mais non, mais il sait que c'est un... un snake trap, c'est pas possible Il streamax, il triche, il triche, c'est obvious, on est d'accord le chat Il est en train fait de tricher, ça se voit là Alors, attends, je rage pas, arrêtez <laughs> Je suis pas en train de rager, c'est faux Euh, putain Ça va être tendu hein Je joue tes consécration Oh la 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 fera-tu. Il va encore aller full face comme un putain de bâtard. Putain quoi. J'ai pas confiance en lui, je vous dis, il triche. Deuxième, off n'est rubien. Ça perd très fort en son avec les. les mais. Ouais. Ça en fout. Ok, bon. C'est une situation un peu compliquée. Donc on va faire ça. Double, ça m'en fout. c'est situation. Je suis mort sur ben et des rois Chier. Mais non, mais il triche encore, c'est sûr. Il a pas. dites pas qu'il a l'œil du millénium. Pegasus Non, mais attendez. Quand même. Non, s'il si me tue, je le seum. Oh, il prend les trades. C'est bon, c'est bon, il a pas de létal. Bon, ça fait pas aucun serpent, mais au moins il a pas de létal. Ok. Oh attends, ça l'a bien sur consécration là quand même ce board. Hein. C'est pas un très bon board sur consécration pour nous ça. Attends. Ah, il va faire un sort pour faire pop le... Mais oui, mais non, mais là ça cheat là. Mais non, mais là ça streama là, c'est sûr. Non, mais là c'est sûr. Mais non, mais le chat dit quelque chose. Là il va faire consécration, vous allez voir. Mais non, mais là c'est ostensiblement de la triche. C'est pas possible. Mais c'est pas possible ce qu'il fait. Mais non, mais il connaît tous mes secrets. Et il est. Vous êtes témoin. Il faut condamner ça très vite. On peut pas laisser passer ça le chat, imaginez. Putain, le dromadaire. Oh le play du dromadaire. C'est bon, je peux me heal grâce au Croc Zombie, grâce au domaineur. Non, il faut que je tue. Faut que je tue le Croc Zombie, du coup, ouais. Je survie grâce au Croc Zombie, tout va bien. Piège vivant C'est nul, du coup, ça pour l'instant. Et du coup, ça va faire un peu la 0-2 là. Ouais, oh, c'est mort. Fais <laughs> chier. Je t'ai dit, il y a deux games déjà. Je suis mort. Pouf. Non, non, mais là, c'est pas possible, genre. Là, il a, il a, il a tous mes secrets. Mais non, mais non, mais il a triché. Je... 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 Dites pas que je rage. Ton deck plus la merde. Ton deck pas de top. Son hein. deck quoi, c'est de la merde. Alors, bon, faute lourde, hein. La faute du salarié est considérée comme lourde lorsqu'elle est commise dans l'intention de nuire à l'employeur. Exactement. C'est à l'employeur d'apporter la preuve d'intention de nuire, c'est fait. A défaut, la faute lourde ne peut pas être reconnue. Normal, normal, on est là pour les droits des salariés, nous. La faute lourde peut être reconnue notamment en cas de concurrence déloyale ou lors d'une grève, par exemple. Les salariés. De... <laughs> Violence, séquestration, parce qu'un salarié empêche de libérer d'autres salariés de reconnaître de travail. Non, mais t'as triché. Comment ça T'as triché. Ça non, mais impossible. Non, mais vas-y, vas-y, mets ton casque. Non, mais t'as forcément triché. Bah non, t'as stream hack. Ah non Mais arrête Mais à chaque fois, t'as demandé à les s'il était là toute la game Mais comment ça Kleenex squash, dis aux gens que t'as triché. Mais demande à Kleenex s'il était là, sur le Mais là, le chat te soupçonne lourdement là. Mais comment je peux t'avoir triché Je crois qu'on va. T'as mis le stream. Et tu connaissais mes secrets. Mais what the fuck, t'as vu le. Mais c'est évident Mais t'as pas vu que j'ai fait un codo et j'ai pas mal Mais j'ai pas mal joué. Pas du tout, tu es parfaitement autour de mes, de mes secrets, Vincent. Est-ce que tu as l'œil du millénium Non, j'ai mieux je... toi. Quoi J'ai mieux que toi. Mais, oh, tu vois, finance l'employé un employé Non, mais, non, mais, non, mais moi, je sais pas, voilà. Bon, moi je veux bien t'accorder le Vince ça a été honnête. Non, mais là, il y a une vraie. Il y a une vraie. Euh, voilà, il y a une commission qui va étudier ça. Hein. Oui, bah oui, la commission chanson, tu connais pas mmh La commission chanson. Non mais après, ouais, si jamais je suis viré pour triche, il euh, y a une équipe que j'apprécie beaucoup qui serait prête à me <laughs> recruter Je plaisante Non je plaisante pas <laughs> Oui je plaisante pas Alors <laughs> non, On va bien jouer hein, ce 4-1 du coup hein. On va dire oui. ça ça fait deux fois, deux épisodes que c'est le Hunter qui te met dedans. Mais je voudrais plus de secrets, Je peux te dire. Comment ça J'ai tellement trop bien joué le dernier tour avec le portail, la consécration. Comment ça t'as bien joué Merci beaucoup Melkior. J'avais trois secrets mais bon. le moment où il y a l'habitude, c'est quand tu m'as fait le, t'as été face, t'as minutes que t'as un piège serpent. C'est trop chaud. Mais en fait le truc c'est que si jamais c'est serpent et que je trade, j'ai perdu 100%. Donc je suis obligé d'aller face. T'as pas perdu, je trade. En fait au moment où j'ai fait le codo, je me suis dit mais attends mais qu'est-ce que je fais Je suis trop con. ouf là. Et à ce moment-là. Une fois que le misplay est fait, on a des situations et je vois que si c'est serpent et que je trade, j'ai perdu. Surtout, sur maître chien, surtout. Moi je pense que c'était une façon de détourner l'attention de ta triche. De quoi Non, je vais sortir. Allez, GG Vince J'en ai fait 50-50 aléatoires, je devinais aussi. Ouais. J'ai une Spider aussi quand même. Je te niquerai la prochaine fois. De quoi Je te niquerai. Non mais, la dernière fois, je vais 3-0 je t'ai dit, vas-y, je fais Allez, tais-toi, 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 tais-toi.